Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de Heroes of Might and Magic 2, toujours sur la campagne du mal avec Archibald, et on se retrouve directement dans la suite de cet premier épisode un petit peu entre deux, hein, la reprise, pas simple. On continue le recrutement, on continue de se balader avec notre héros et faire gaffe à pas se faire surprendre. Et on m'a fait sauter l'affichage. Je ne vois plus rien. Et voilà, ça y est, c'est bon. On m'a remis mon affichage, donc je reprends. Par là, il n'y a rien. Des nomades. Des nomades, on va pas aller s'en occuper. C'est les tours pour le moment. Oula, Xanadu, non, on n'a pas le niveau. Sont les héros adverses, mais pour le moment il se passe pas grand chose. Ah, ça y est, un héros qui est sorti. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Ouais. Oh, le château il est tellement prenable. Mais bon. Voilà. Celui-là va être plus costaud déjà. Oh, bonjour messieurs, dames. Au revoir. Oups là. Je sais pas si j'ai assez de points de déplacement pour fuir jusqu'à chez moi. Si, mais il y a du monde. Il hein. Y a beaucoup de héros. C'est vrai que moi je suis resté avec le concept de ne faire qu'un seul héros, à tort ou à raison. Et là il y a trop de monde. C'est pas grave, on va un peu plus voir ce qui se passe. S'éliminer les uns les autres de toute façon. Ok, alors il y a un moment il va falloir faire un choix. Je pense que ce choix ça va être les squelettes. C'est un tour. De grands vampires, tiens. Ah ouais, moi je voudrais bien les recruter, les 18 grands vampires, ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revendre des ressources à mort. On va en garder quand même un peu, bien évidemment, mais pas tant que ça. Voilà. On a besoin d'argent, donc on vend. Quand même 5 de chaque. J'ai pas vu que ce bouton là est bugué. Voilà, déjà on peut en prendre 15, c'est pas mal. On va encore passer du tour, on va recruter, hein. Vraiment recruter. On va peut-être pouvoir commencer à y aller, je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en face. On va aller essayer de nettoyer un petit peu du héros. Prendre le château jaune, ce serait bien aussi. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai pas compris ce qu'il est en train de faire là. Dire bonjour hein. Pas ce qu'il est en train de faire mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire. Tombe mortel. On a peut-être moyen de les tuer avant qu'ils agissent. Hein.
même que c'est sûr. Ouais, celui-là pourra pas fuir. Diminue le moral de l'ennemi de 1, vous savez, je le savais même pas. Voilà, là ça fait un vrai héros en moins. Ok, le joueur jaune a été vaincu. Ça va être plus costaud comme combat là déjà. Ça va être beaucoup plus costaud. Ça fait très mal. Aïe 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 aïe. Deux dragons au moins. C'est eux là qui me font peur, les 26 là. On va y bloquer les mages, de toute façon, il n'y a pas le choix. Faire la petite grande malédiction sur tout le monde. On va faire plutôt les mages qui attaquent à distance. Putain, ils me font chier parce que là mes vampires ils peuvent rien faire. Qu'il est chiant ce sort. Je vais pas le gagner ce combat. Je n'y crois pas trop. Ça va être très très compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Ça dure combien de temps encore là? 3 tours? Oh là là, mais ça dure une éternité quoi. Bon, en même temps, si je peux leur faire une célérité, hein, ça va annuler. Hein. De la souris, hein. Mais dès qu'il va sentir qu'il est perdant, de toute façon il va fuir. Là il va faire une chance. Non, encore. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Soif de sang pour faire plus de dégâts. Blah, blah.
J'ai trouvé un truc pour vraiment faire mal. Ah putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr. on va prendre Sagesse Expert. Et là, on peut par contre gagner un château. Donc plus d'argent. Putain, mais il est mal développé quoi. Il y a quasiment rien de fait dedans. Enfin, j'exagère. Non, par contre, il y a beaucoup de sorts de magie. Ouais, bah ça, le Saint-Cri, c'est ce qu'ils m'ont fait tout à l'heure. La grande guérison, voir héros, ultime sort. Un éclair foudroyant aveuglé. Ouais. Il y a quand même des sorts assez sympathiques. Pas s'en plaindre. Il me manque le sort de base qui permet de retourner à son château. Par contre, ça, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais bon, on va le garder, hein, de toute façon. Pour moi, il y a une mine d'or quelque part, normalement, mais ils en ont peut-être pas, j'en sais rien. Je ne sais pas, en fait. Tac, on peut en faire un, on peut en faire deux. On va gagner pas mal de sous. Ah ouais, il n'y a plus personne dans le château. Ah. Ouais, mais on n'a plus grand monde non plus. Attention, on a nos vampires, mais ça fait pas tous les vampires. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un? Est-ce qu'on a un mort-vivant dans l'histoire? Oh là là. Pas de héros mort-vivant, quoi. On évoque un esprit de l'air, plus de météorites. Ok, c'est pas mal ça, mais malheureusement, il y a... Ça va pas nous servir tout de suite. Parce que je voudrais ramener toutes ces troupes en fait à l'autre héros. Même si bon, c'est pas si énorme que ça. Là on est quand même pas loin de la victoire. Hein. Si on galère clairement. Même si on galère clairement, on va remonter vite fait, pas trop mais un petit peu. Récupérer des troupes. Voilà. Si au revoir. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours mieux que rien. On va marcher sur leur château. Bon, là ils vont recruter parce que c'est le nouveau tour, je pense, mais. Qu'est-ce qu'ils font en déplacement? Je comprends pas. Comment il a pu aller là? Il est bloqué du coup. Ouais, il doit y avoir un petit bug dans leur IA. Hein. Ouais, ils ont un héros bloqué, c'est pratique. Alors, un petit éclair foudroyant là pour bien commencer. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est bien fait aussi. Je pense que ça va fuir là. Voilà. On était sûr. J'en étais sûr. Avec des sous. Bon, ça va être intéressant.
Putain, il s'est débloqué d'un coup, lui. Ok, donc là, c'est un peu branle-bas de combat, j'ai l'impression, pour eux. Parce qu'ils ont peur que je fonce là-bas. Je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Si j'attends les renforts pour être sûr de moi. Peut-être attendre les renforts. J'ai peur que ça se retourne contre moi. On va aller ramener les renforts. Je vais pas le développer plus, pas envie de perdre d'argent là-dessus, mais par contre il y a au moins des défenses, donc s'ils veulent attaquer. Mais ils partent chez eux, ils refont leur bise, mais on va pas tarder de les avoir. Hop! Même venir jusqu'à là. On va regarder ça comme ça. Quoi, tu rentres là? L'arène, et puis on va recruter. Hein. Surtout que ça, je pourrais lui foncer dessus presque. Enfin, je suis pas assez de déplacement, mais. Alors, ça devrait les ramener, normalement. Ok, et ben on est parti. Ok. Est-ce que ça me sert à quelque chose d'aveugler quelqu'un dans le tas? Pas vraiment. Une onde mortelle. Ça fait un peu de dégâts à tout le monde. Toi, tu termines ça. Je les termine pas du coup. Merde. Ils vont pas aller très loin. On peut attaquer les. Oui, c'est vrai, ça s'appelle des rocs. Je ne peux pas enlever la maïs sur mes vampires, qui a pas duré pour le combat. Pas de beaucoup, mais un peu. Oh là là! Terminé. Ok. Donc on a un château de plus. Il reste leur château. On va essayer de le choper. Là il y avait un autre héros, il est parti vers le nord. Ouais, s'il est parti s'enfermer, on va en profiter. On élimine le max de héros hein, parce que on les repousser à leur château et après on monte et on les termine. Ça aurait été un petit peu compliqué mais c'est le temps de se remettre dedans. Hein. Un petit éclair foudroyant sur eux. J'ai pas aimé, voilà. Yeah.
fait, je rigole d'avance. Mais pas de riposte, c'est la seule chose. Ouais, fuis, t'as raison. Ouais, bah le moral, ça va être un problème, ça. J'en suis conscient. Quel con. Ah ! Oups ! Excusez-moi. Réflexe. L'éclair fuite, ça c'est un classique, mon dieu, qui m'a toujours énervé. M'énerve toujours du coup. Maintenant on reste dans le coin. Bon, par contre là on a quand même tué pas mal de leurs héros, alors à part là. Ok, donc ils reviennent. Je fasse gaffe quand même, hein. Plusieurs peu. Allez, let's go. Normalement, faut y aller. Et un peu de monde quand même. De la mana. Est-ce qu'on peut aveugler quelqu'un? Est-ce que c'est intéressant d'aveugler des troupes? Je suis pas sûr. À la limite, ça oui. Voilà, on n'en parle plus. Eux, ça va être plus chiant après. Voilà. Une momie. Hop, après c'est les cornes. Les rocs. Voilà, les cornes terminées. Le rock terminé et ça s'en va. Voilà, classique. Ah putain. Une petite onde mortelle. Quel enfer, hein. Vous avez vu, c'est la technique de pute la plus connue. Ah putain, c'est l'enfer ça, c'est vraiment l'enfer. Bon bah, au moins, c'est la fin pour eux. Non, c'est pas... Ah bah oui, j'ai des coups de deux. Au revoir. Et voilà. Ouh. Alors, je sais pas si je pense que vous avez eu un son aussi faible que moi, mais en gros, oui, voilà, bah, c'est re-expliqué. Hein, du coup, il disait que sous le règne de son père, il n'avait pas unifié les tribus barbares autour du royaume. Donc, pour trouver des alliés, continuer de combattre, il faut s'occuper des tribus barbares. Donc, on peut commencer barbare, ce qui est un peu rigolo, mais bon, voilà. Sinon, on peut rejouer soit nécromancien, soit mage. Donc on va commencer mage. J'aime bien jouer les mages.
Alors, vous êtes offert une forteresse à proximité des châteaux des barbares qui s'affrontent. Si l'ennemi vous prive de votre pied à terre, vos chances de survie seront nulles. Voilà, beaucoup de ressources en départ. Et donc, on va changer. On va jouer les mages, que j'aime beaucoup. Alors, on a des nomades de départ. Pourquoi pas, c'est une troupe neutre. Hein. C'est gentil, merci. Les gargouilles, on va recruter les centaures. Et avec un nid, on va pour prendre les griffes. Toujours. Okay. Et puis bah avec notre héros, alors qu'est-ce qu'il a notre héros? Aucun objet de départ, pas d'attaque, pas de défense, puissance. Ok, mec, il est basé sur la mana. Monte le moral, parfait. Là on voit déjà que les flèches sont plus longues. Je sais pas si vous vous rendez compte au niveau des déplacements, quand on n'est pas sur les chemins, les flèches sont plus longues. Ça veut dire que ce terrain-là coûte plus cher en déplacement. Donc c'est là qu'on est content d'avoir la... Ah, j'ai perdu le nom de la compétence. C'est pas la reconnaissance, non, c'est une autre. Zut, bon j'ai plus, tant pis. La statue, on va la faire tout de suite, ça sera fait. Attends, les hydres et les dragons. Donc cette faction-là est la seule faction à avoir un bâtiment, et en plus le bâtiment final, qui peut être amélioré deux fois au lieu d'un. En contrepartie, ils peuvent pas améliorer les centaures, ils peuvent pas améliorer les gargouilles, ils peuvent pas améliorer les griffons, ils peuvent pas améliorer les hydres. Par contre, ils peuvent améliorer les minotaures, et ils peuvent améliorer ce bâtisse, voilà, avec l'unité la plus puissante du jeu, hein, les dragons noirs, dragons verts, rouges, puis noirs. Le dragon noir, c'est l'unité la plus puissante du jeu. Ils sont un peu spéciales à jouer, les mages, mais moi j'ai toujours bien aimé. Oh là, la map elle a l'air toute petite en fait. Elle est vraiment si petite que ça? Ouais, c'est étrange. Là, on va faire déjà le labyrinthe, comme ça on aura des minotaures. Ils font quoi de particularité déjà? Particulier déjà? Rien. Hein. Peut-être les améliorer, je ne sais plus. Oh. J'ai pas vu ce qu'on avait. Ah, la petite flèche magique. Place pour mettre toutes les unités du jeu. Enfin du combat plutôt. Reconnaissance, ouais, non. Mysticisme plutôt, oui. Mais c'est vraiment Reiki qui, je me souvenais pas que c'était aussi petit que ça. Ah oui, c'est vrai que ça donne 500 pièces d'or par jour. Ouais, bah je vais le faire, ça coûte cher sur le coup, mais... Oui, on va les attaquer et les poursuivre parce que expérience. Ça vaut, mais ça se fera. On va prendre un peu de sous, de toute façon on en a besoin. Connaissance plus 1, du bois, le pont, ça permet de recruter des trolls, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Labyrinthe et marais. Voilà, il faut des sous, hein, y a pas le choix. Ouais, ça, je me souvenais pas de cette carte. Oui, on poursuit pareil, hein, pour les mêmes raisons.
beaucoup d'XP, mais ça en fait quand même un peu. Deux lampes anciennes. Ah bah oui, non mais oui, c'est pour recruter du génie, c'est vrai. On peut recruter qu'un. Si je reviens sur celle-là, ouais d'accord, c'est limité. Il semblait qu'on pouvait recruter autant qu'on voulait dessus. Comme d'hab, on va manquer de pierres précieuses, mais je suis même pas sûr qu'il y ait des mines. S'il y a peut-être une mine par le sud là. Il y en a là. Bon, ouais, j'avoue que j'ai la flemme. On va prendre logistique hein, du coup. Grand druide, ça va pas nous concerner. Balistique, toujours, c'est très important, balistique. Puis artésien, puis une troupe de nomades là-bas, je sais pas où prendre. Alors, à défaut de pouvoir améliorer les bâtiments, on peut recruter. Voilà, deux fois les points de magie. Eux, on va les attendre plutôt. On va les attendre, on va les attendre. Mal, il n'y a pas de raison. C'est costaud les génies quand même. Après c'est costaud mais c'est pas non plus mortel. Allez hop! Stick, les sous. On va aller prendre des ressources. Là, la mine! Oups! Ouais, ça fait du monde hein, quand même hein. Merde. Yeah.
Hop. Ok, alors. Ouais, on va faire ça. Le grand labyrinthe, parfait. On fait évoluer nos minotaures. Et là, s'ils veulent venir, je les attends. Toutes mes ressources surtout. On va se passer comme ça. Ça va pas nous emmerder. Ok, très bien. Voilà. Merde, il va aller prendre mon château. Ah oui. Totalement logique. Très mauvais choix de ma part. On va perdre du temps, hein, pour qu'ils se prennent le maximum de flèches. Hein. Je n'ai pas du tout cette carte, vous voyez, c'était total oubli. Effectivement, je gagne juste du temps. Hein. Ouais, je sais, j'ai que 7 jours pour reprendre mon château. Bah, ils me le laissent, c'est quoi ? Ils sont vraiment cons. On va terminer le tour pour pouvoir recruter, puis on va aller l'enfoncer dessus. Hein. Alors. Les archers, oui. Les griffons, oui. Et des hydres, oui. Balistique expert, pardon. Et là, à mort. Un peu pauvre en magie, hein, mais bon. Les hydres, quand ils attaquent tout autour d'eux. Tous les ennemis adjacents, aucune riposte de l'ennemi. Malheureusement, pas tout à voir. Ok,
gueule. Et ça va fuir. Charisme, c'est bien ça. La tour verte, ça va être compliqué de la construire. Je vais montrer avec plaisir. Inconnu. Ah, c'est un château gris. Non, violet ou gris ? Je me rends pas compte. Bonne idée. Appartient à personne donc. Non, il est bien violet. Oh, putain, j'ai l'impression que c'est gris moi sur. Ça va. Ça se fait. Peut-être pas, on va leur faire mal. Possible à eux parce qu'ils vont attaquer à distance. Ouais, c'est pas très fort hein, les centaures. Ça pétait les tours. Ah non, faut... Parfait, allez hop, dans le château. Ça recule forcément. Voilà, c'est fini, ils peuvent plus tirer. Elle a tout fait le boulot, elle a tout pété. Les hydres sont très très puissantes, mais par contre elles sont très lentes. Hein, donc c'est viable. Carrément pas tiré quoi. Ok, bon bah déjà ça fait un de moins. Cyclope, ouais, j'aimais bien les cyclopes. Non, pas de héros barbares, on va attendre un peu, on verra si on arrive à en choper un après.
après tout. C'est vrai que si je vais là, ça va plus vite. Hop. Ok. C'est les mêmes héros dans tous les châteaux, c'est pas la peine de s'embêter. Hop. C'est vraiment une toute petite mission celle-là. Je vais essayer de vous la proposer jusqu'au bout. Ouais, super, 6 gobelins, merci les gars. Gaffe quand même. Hein. Pas un petit héros barbare là? Non, chevalier, nécromant. Ah, on a chopé des sorts, ça c'est cool. Les grands ogres. Il y a encore deux couleurs, hein, les jaunes et les oranges. Ouais, du coup, je pense que ça fait un petit peu long pour vous proposer un autre épisode. Eh bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce second épisode, et puis dans le prochain, je pense qu'on en aura fini avec cette mission-là, et on pourra entamer la troisième. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette petite campagne vous plaît toujours, et je vous dis à très vite pour la suite. Merci de m'avoir suivi, bye bye.